En couture. Ong chunu jomreh pakah bento ka jamnaka niti vithi samnaka. Suosdai luk ai huen. Ba. Ba ai lue ni jeung chap daem bento ka jamnaka samnaka robas jeung to te tiet. Som luk rong cham sdap samnu hai nang chloi top te nang samnu dai ong bantai chien ong jomreh pdal vithika chun te sapriya damai bento ka tang samnu chompuh luk. Ong mea sompral vithika chun te Merci, bon après-midi, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, j'espère que vous avez eu l'occasion de vous reposer. Je vais poursuivre avec les questions. Je vous demande de faire comme ce matin, c'est-à-dire de répondre le plus honnêtement et le plus précisément possible. Avant la pause, nous avions parlé d'un bureau de rééducation qui se trouvait à Angroka, à peu près à 300 mètres du bureau du district. Est-ce que vous savez qui était responsable de ce bureau de rééducation? Quel était le cadre qui le dirigeait? Vous avez parlé tout à l'heure du fait que Wo, qui travaillait au bureau du district, était un cadre, un milicien chargé des arrestations. Est-ce que Wo travaillait souvent avec Meng concernant ce centre de, ou ce bureau de rééducation? Et concernant les arrestations et la rééducation proprement dite au bureau, tout près d'Angroka, est-ce que Ruo allait souvent voir Meng, par exemple, pour discuter de ces questions de sécurité? Est-ce que vous savez ça? Merci. Tout à l'heure, vous avez dit que la rééducation à cet endroit durait entre 3 et 6 mois. Est-ce que vous avez jamais entendu de la part de gens du bureau du district ou de miliciens que des gens en rééducation chez Meng étaient transférés ailleurs ou bien qu'ils étaient exécutés? Est-ce que vous avez jamais entendu cela?
Est-ce que vous-même, vous avez revu ces prisonniers par la suite, quand ils étaient renvoyés chez eux? Est-ce qu'il y en a certains dont vous avez retrouvé la trace après 79, par exemple? Bien, est-ce que vous avez jamais entendu parler du bureau 204 dans le district de Tramkhak? Pardon, je vais reprendre. Je parlais du bureau 204, et non pas du bureau 109. Est-ce que le bureau 204 vous dit quelque chose? Oui, est-ce que vous avez entendu qu'en plus de mourir en raison de pénurie alimentaire, des gens sur place auraient été tués? J'en viens maintenant à une période très spécifique. Il s'agit de la période d'avril à mai 1977. Donc on va dire la fin de la saison sèche en 1977. Est-ce que vous vous souvenez si à cette période-là, il y a eu un moment justement où les anciens gradés ou fonctionnaires de l'ONOL étaient à nouveau ciblés? Est-ce qu'on a cherché à les identifier et à les rassembler? Donc c'était une période assez intense au niveau du travail du bureau du district, si je comprends bien. Pourquoi, à cette période-là, y a-t-il eu cette vague d'identification, d'arrestation de ces gradés ou fonctionnaires de l'ONOL? Est-ce qu'il y a eu des instructions qui ont été données en ce sens? Bà lại nó ở bàn đăng cái pro game miên
ពាក្យឆ្លោះរបស់គេគេថាកំទេចឲ្យអស់ពួកសក្តិភូមិនៃទុនប្រទេសគេរាជាប្រហារអត់ឲ្យសល់ម្នាក់កំទេចទាំងរបស់កំទេចទាំងបុគ្គលគេថារបស់ហ្នឹងគេធ្វើតាមទឹកហ្នឹងទៅ Comment se passait exactement cette opération ? Est-ce que c'était les communes qui amenaient ces personnes qui étaient identifiées jusqu'au bureau du district ? Ou bien est-ce que c'était des miliciens du district qui allaient les chercher dans les communes ? Vous avez parlé de listes. Donc, les arrestations étaient faites sur base de listes. Qui avait confectionné ces listes d'anciens fonctionnaires et militaires de l'ONOL? Chào chiều tôi khơi nạn nắng thà một co nắng miên mà đá xa chúng tốt rồi mà mê khung mê phu mê nắng kê thơm chí rìa tàu rìa ca mà ông ca sọc ông ca sọc rìa tàu ông ca khẹt em mà đang ông ca khẹt nắng rìa tàu nà tiết ba nà chí nắng tàu lọc cho tàu cổng vinh rồi chào một co nắng kê kê xin phát thảo vô tàu chùm lắm kê buông cái chó tức bị cỏ hòm tàu buông cái chó tức bị cỏ hòm kì nhà mà ôi sọc hái sọc nhà tàu ôi Còn trọp sốc nó, còn trọp sốc chạp một con nó, vô trọng một cô lối gì không. Bien, je voudrais simplement vous lire un ou deux rapports qui ont été envoyés à l'époque par certaines communes. Je ne vais pas vous demander de suivre sur les documents parce que ce sera peut-être un peu compliqué. Voilà, alors tout d'abord, je prends un exemple. C'est le document E3-2048. À la page en Khmer 000790089. En anglais, 00-27-65-62 jusque 63. Et en français, à la page 2, 00-61-16-59. Alors, c'est un rapport de Ye Bun, dont on a parlé tout à l'heure, de la commune de Tsingtong, adressé le 30 avril 1977 à la direction de l'encart du district de Tram Kak, qui dit ceci. Je cite, « À propos de la situation des ennemis qui se trouvent dans ma base, après avoir reçu les recommandations successives de l'Encart concernant la vigilance à l'encontre des ennemis et le nettoyage des soldats des ennemis qui étaient dégradés, on a surveillé, examiné, et identifier les personnes ci-après. Et ce rapport cite les noms et les grades de deux anciens militaires de l'ONOL. Dans le même document, toujours E3-2048, deux pages plus loin, en Khmer 00079091, en anglais 00
2, 7, 6, 5, 6, 4, et en français, 0, 0, 6, 1, 1, 6, 6, 4. C'est à la page 4. C'est un autre rapport. Il s'agit là d'un rapport de la commune de Taphem, envoyé à la même période, le 28 avril 1977, qui rapporte que la commune avait, je cite, après avoir reçu les recommandations du parti, examiné et nettoyé des ennemis qui étaient dégradés. Fin de citation. Monsieur le témoin, je pourrais multiplier les exemples. Il y a beaucoup de rapports de ce type établis fin avril au début mai 1977 dans le dossier. D'après ces deux rapports, on parle de recommandations du parti. N'avez-vous jamais entendu qu'il y avait des recommandations du district qui étaient envoyées aux communes concernant l'arrestation de ces gradés? ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ទាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់សាព្រាញ្ញារងទៅនឹងឯកសារដែលលោកលើកថាជាឯកសាររបស់យាយបឿនហើយក្នុងសវនាការកន្លងមកនេះយាយបឿនគាត់បានឆ្លើយនៅចំពោះមុខអង្គចំណុចជំរះហើយថាមិនមែនជាឯកសាររបស់គាត់ទេគ្រាន់តែថាមានឈ្មោះគាត់ឈ្មោះបឿននៅចុះហត្ថលេខាដែលមានឈ្មោះបឿននៅពីខាងក្រោមហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាវាជាឯកសាររបស់យាយបឿនគ្រាន់តែជាឯកសារមួយដ
How to have chun up and pull go kê can chung like a art oi, tat my tat chat hat on pull day, be chia chun kim yên, sit my knee, kit hai chân. Group sit near the winter mo, kit hai pân nắng. Je ne comprends pas trop bien ce que vous voulez dire par les mêmes droits. Quels droits avaient les simples habitants durant le régime de Khmer Rouge? Est-ce que, par exemple, les habitants, qu'ils soient peuple nouveau ou peuple de base, avaient le droit de circuler librement? Lâm thập lâm lắng rèn rèn bất kỳ tôi rèn đầy. Nà thầm mấy cô tôi rèn đấy, nà cha cô tôi rèn đấy. Rèn mà kìa đọt bìl, đọt máu mà hô bài đôi kìa. Đọt bìl chân tôi rèn chết, tôm nào kìa tìa đọt miền mưu nghi mưu thô kìa tê. Tại à kì nà ở sầm răng kì miền xên kìa 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 đã thơ ca sư một kê tâu. Kì tay chê chôn kìa sả lãng kìa bà rốt sả lãng kìa chết sả ngặt đôi kìa. En réalité, est-ce qu'il ne s'agissait pas plutôt de même obligation plutôt que de même droit? ថាបរិញ្ញារងដែលការលើកឡើងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេហើយដែលសហប្រិញ្ញាមិនគួរធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានប្រឆាំងទៅនឹងសាក់សីដោយខ្លួនឯងដូចនេះទេសូមអរគុណ Monsieur le Président, j'ai posé cette question sur la base de la réponse que j'ai obtenue auparavant. On a bien compris que ce n'était pas des droits, mais qu'il fallait vivre ensemble et qu'il fallait être soumis à la même surveillance. En l'occurrence, il me semble, tout le monde peut comprendre qu'il s'agit plus d'obligations que de droits. Est-ce que je peux poser cette question, Monsieur le Président? Est-ce que les gens ordinaires sous le régime des Khmer Rouges dans le district de Tram Kak avaient le droit de s'exprimer librement? De critiquer le régime, de critiquer la nourriture, ou de dire qu'il n'était pas d'accord avec les ordres qui étaient donnés. Yeburn a dit ceci dans son procès-verbal d'audition E319-12.3.2 à la réponse 120. Je vais citer ce qu'elle a dit en anglais. It was my understanding that the new people were no good. They were the enemy and were not as valuable as the old people. Thus, they were not allowed to marry the old people. End of quote. Est-ce que vous avez entendu durant la période suivante
l'évacuation des villes et plus tard que le parti se méfiait le 17 avril et que c'était des ennemis, comme le dit Yeboun. บ่ខ្ញុំឃើញពីផ្នែកស្បាំងផ្នែកហ្នឹងគឺប្រជាជនដែលនៅដីម្ដោះប្រជាជនមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏គេតាមដានហូបចាប់ចងដាក់ខ្នោះគ្នាយកទៅសម្លាប់ដែរហើយប្រជាជនថ្មីក៏គេតាមដានហូបចាប់ចងដាក់គុកដាក់សុវត្ថិអញ្ចឹងដែរមានសិទ្ធគេដើរបំណិតទាំងអស់ទាំងថ្មីទាំងចាស់ប្រជាជនចាស់ហ្នឹងឲ្យស្លាប់ច្រើនជាងគេជឿនឃើញបងប្អូនចេញពីភ្នំពេញទៅទៅចំណេះចំណាលទៅលោកអូកលឿនជាមួយ Est-ce qu'à un moment donné, dans le district de Tramkak, on a fait une catégorisation de la population? C'est-à-dire, on aurait classé les gens en catégorie de plein droit, catégorie de candidats, c'est-à-dire le peuple de base qui était affilié, et la catégorie de déposés, c'est-à-dire les évacués, le 17 avril. Est-ce que vous avez entendu parler de cette catégorisation? បានក៏នឹងខ្ញុំជម្រាបដែលគេថាខ្ញុំនិន្នាការនយោបាយគេបែងចែកវណ្ណៈមនុស្សហើយមានបីប្រភេទវណ្ណៈកសិករកសិករកសិករកណ្ដាលកសិករក្រមពលករវណ្ណៈនេះគឺវណ្ណៈល្អហើយវណ្ណៈកសិករលើអានេះទុនអនុធនអត់ល្អទេគឺចូលតែកងប្រវត្តិសាស្ត្រកណ្ដាលគេនិយាយចឹងឯកងប្រវត្តិសាស្ត្រកណ្ដាលតាំងពីម៉ែវាអូខ្ញុំហ្នឹងក៏ចូលកងប្រវត្តិសាស្ត្រកណ្ដាល អត់ថាចាស់អត់ថាថ្មីទេអត់ថាបែងចែកទៅទៅកម្រិតវណ្ណភាពណាក់មានណាក់មានក៏ណាក់មានគិនត្រូវតូចមួយហ្នឹងគូគេចាប់យកទៅសម្លាប់ដែរក៏ណាក់មានតាស់ហ្នឹងមានដាំដងគូគូច្រើនហ្នឹងគូគេចាប់យកទៅសម្លាប់ដែរក៏ណាក់មានស្រូវហូបសល់គ្រប់គ្រាន់គូគេយកទៅសម្លាប់ដែរមិនតែចាប់ដល់ណាក់មានមិនដាល់សាក់ទេភូមិមួយមួយស្ងាត់សូនអត់មានមនុស្សទេមានតែឆ្កែព្រុសខ្ញុំជម្រាបយ៉ាង Je vais revenir à l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure, ou que comme utilisait fréquemment, qui voulait dire que tous ceux qui s'opposeraient à la roue de l'histoire seraient écrasés. Donc je voudrais avec vous essayer de déterminer qui étaient les opposants au régime et quel sort on leur réservait. Vous avez dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas critiquer la nourriture, sinon on aurait été considéré comme opposant à la coopérative. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles étaient les autres fautes, les autres délits qui faisaient qu'une personne était accusée d'être un opposant au régime? បាទខ្ញុំជំរាបប្រសាមានយាយមួយឆ្នាំ 73 ទូកដូនមួយតមុកហើយតមុកគាត់នៅក្នុងព្រៃទី 106 ដល់ពេលនោះយាយខំដឹងថាយាយសៀកនឹងនៅកំណាញ់មានអតិសេះយាយខំទៅខ្ចីអតិសេះហើយដល់ខ្ចីយាយសៀកបានយាយសៀកថាកំណត់មួយខែយកអានវិញ Đoàn mà khá dây không ở vô mà ói dây xe tôi vô đó ra vô tế xe con mà vinh đó vô tế xe mà vinh còn ôi à rốt để bị kia chôn cặp cho nặng kia sâm buôn mà vô chọn dây xe vô tôi sầm làm rồi chọn tôi bình đỡ tôi tam phô lan rồi một chân bị mồi hộp nặng chọn mục hai rồi đó là một chân bị prey máu xua hí hẹn chọn mục à na thật măng
ចុះហែងទៅចាប់ខ្មាំងមិនបានមិនហែងអាយទេខ្មាំងជំនោះសហគមន៍ខ្ញុំថាអញ្ចឹងតែខ្មាំងជំនោះសហគមន៍មើលហែងច្រៃមុខមិនអានណាដល់ច្រៃមុខមកចុះដូនមួយចាំមុខហីច្រៃហែងទៅចាប់វិជាមកស្អីហែងដឹងនឹងកំណាញ់ហែងទៅធ្វើអីវាថាអញ្ចឹងចឹងវិជាឡើងឡានមួយមួយអញអាណាហ៊ានមកចាប់វិជាទៀតប្រាប់អញវិជាវិញជំនួសកំណាញ់ហើយទៅចាំគេចងមុខយកតម្លាមហ្នឹងមកជួបអញមកអត់ជួបអាយយកគេម្លាប់បាត់ហ្នឹងហ្នឹងរឿងហ
Je vais revenir plus tard sur la distinction entre crime grave et crime léger. Il y a une question que je me pose parce que on parle souvent de communes qui amènent des gens arrêtés au niveau du district. Est-ce que les communes disposaient d'un local ou d'un cachot pour détenir temporairement les personnes qu'elles arrêtaient avant de les transférer au district? តែអញ្ចឹងមែនទេបាទខ្ញុំមានវាប្រសាឃុំអត់មាននេតិចាប់គេយកដាក់ឃុំខាងក្នុងទីឃុំក្នុងឃុំទេគេមានបញ្ហាអីចោតឡើងគេរាយការណ៍មកស្រុកគេឲ្យកងស្រុកគេទៅចាប់យកមកបកគលដាក់ដូចថានៅមានទូកម្រិតស្រាលគេយកមកដាក់សាលាកែប្រែហ្នឹងមកទូកម្រិតធ្ងន់ស្រុកយកទៅបកគលឲ្យអង្ការឃុំហ្នឹង Oui, est-ce que le district parfois demandait à la commune ou aux miliciens des communes de faire les arrestations eux-mêmes et de les amener au district? Donc la décision appartenant au district, mais l'exécution par les communes. Bien, je vais essayer d'utiliser un document avec vous. J'espère que vous avez un certain nombre de documents tout près de vous et qu'il y a quelqu'un pour vous aider à retrouver ces documents. Alors, le document que je voudrais que vous puissiez regarder, c'est E3-4120. Est-ce que vous avez quelqu'un pour vous aider à le trouver, monsieur le témoin? មានបុគ្គលិកនៃអង្គការកងពីសហសិទ្ធិនៃជំនាញអង្គភាពកងពីសហសិទ្ធិនៃជំនាញជួយសរុបរួលស្វែងរកឯកសារតាមការស្នើសុំរបស់អំណាចសាភិញ្ញាជូនសហសិទ្ធិបាទលោកប្រធានឃើញនៅក្នុង content Alors, la page qu'il faut lui montrer, c'est la ,page 00270983. C'est la page de gauche sur cette, parce qu'il y a deux pages, enfin il y a une page à gauche, une page à droite. Donc 00270983. En français, 00623344. Et en anglais, 00322175. Est-ce qu'on pourrait également faire projeter ce document à l'écran, Monsieur le Président, la version Khmer, évidemment. Bien, je vais résumer une partie et en lire un paragraphe. Ce rapport était envoyé par Khun, K-H-U-N, de la commune de Sri Ronong. Et il évoque l'arrestation et l'envoi à la police pour examen d'un membre du peuple nouveau. Ce membre du peuple nouveau avait laissé des canards entrer trois fois dans des rizières. Et puis il y a un paragraphe que je vais citer qui dit ceci. Nous voudrions informer le parti que ce 4 janvier 1977, il y a encore d'autres membres du peuple nouveau
qui s'opposent à l'encart et au parti. Donc, nous allons les envoyer, les arrêter, pardon, et les envoyer successivement au parti. Fin de citation. Dans ce document, monsieur le témoin, on parle des termes envoyés à la police pour examen. Cela voulait dire envoyer exactement où? Est-ce que c'était la police du district? Et qu'est-ce que cela signifiait, la police du district? Concrètement, quel était le bâtiment où il fallait que la commune envoie les gens pour examen? Est-ce que vous avez entendu la question? Est-ce que vous pouvez répondre ou bien vous avez besoin de plus de temps? Oui, dans le document, Kuhn dit qu'il envoie à la police pour examen un membre du peuple nouveau. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'était, dans ce cas, la police? Est-ce que c'était le bureau du district? Est-ce que c'était un bureau de la sécurité du district? Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « envoyer à la police » ? Bien, c'est peut-être une question de traduction parce qu'en français il est dit nous l'avons alors arrêté et envoyé à la police pour examen. Donc, monsieur le témoin, je reformule ma question. Lorsqu'une commune arrêtait quelqu'un, à qui exactement elle remettait la personne arrêtée? Est-ce que c'était les miliciens du district? Est-ce que c'était un bureau particulier qui recevait ces gens? Bon, une autre question sur ce document. Est-ce que vous vous souvenez de ce Kuhn, K-H-U-N, de la commune de Sri Ronong? Et quelle était sa fonction? Est-ce que vous savez si à un moment il aurait été retiré ou purgé? Non,
D'accord. Je vais repartir maintenant d'une réponse que vous avez donnée au juge d'instruction. C'est le document E319.1.32. Ce sont les questions et réponses 17, 18 et 19. Alors, je vais lire ce que les enquêteurs vous ont demandé. Question 17. Est-ce que le chef de commune avait le pouvoir d'arrêter la population? Votre réponse. Les chefs de commune n'avaient pas le pouvoir d'arrêter des gens. Seules les unités de district faisaient les arrestations jour et nuit d'ailleurs. Question suivante, 18. Est-ce que la commune avait mission de passer des informations au district? Réponse, votre réponse. Oui, la commune devait informer le district sur les coupables de délits d'inconduite morale, entre autres, mais n'avait pas le pouvoir de faire les arrestations. Question 19. Quelle relation existait entre la commune et le district? Réponse 19. Il y avait des rapports et des listes de gens dont les noms entourés au stylo rouge devaient être arrêtés par le district personnellement. Les noms entourés au stylo bleu étaient arrêtés par la commune qui les remettait ensuite au district. Fin de citation. Donc par rapport à ce que vous avez dit juste avant, que les gens qui étaient arrêtés par les communes étaient envoyés directement dans la forêt. Ici, vous avez plutôt dit que les noms entourés au stylo bleu étaient arrêtés par la commune qui les remettait ensuite au district. Est-ce que vous confirmez qu'effectivement, les gens dont les noms étaient entourés au stylo bleu étaient remis au district par les communes? រងវងដែលបិចពោះខៀវហ្នឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅស្រុកដោយថ្នាក់ឃុំដារិទេបាទការពិតណាវងទឹកបិចកញ្ចក់ពោះខៀវគឺឃុំបញ្ជូនមកឲ្យអង្គការស្រុកអង្គការស្រុកឲ្យកម្លាំងកងតបស្រុកនាំទៅឲ្យផ្ទះមិត្តមេងដែលលោកមេងដែលកាន់កាប់សាលាកែប្រែហ្នឹងយកទៅទុកដាក់នៅហ្នឹង Bien, ce qui m'intéresse ici, c'est à quel niveau on entourait les noms sur ces listes ou sur ces rapports au stylo rouge ou au stylo bleu. Est-ce que c'était les coopératives, les communes qui prenaient cette initiative-là, ou bien c'était le district ou même le secteur qui procédait à cela? បាទអានឹងខ្ញុំសឹកមកគេទៅឃើញថាឈ្មោះកហ្នឹងវាជានិន្នាការនយោបាយដូចថា CEA យួនសូវៀតអូនៅតាសេបេយួនសូវៀតCEA គីងអាមេរិកអានឹងឃុំគេហៅកាមកឲ្យស្រុកហ្នឹងគេហៅកាមកគេវងកញ្ចក់ទឹកប៊ីកហមហ៎ហើយដល់ស្រុកឃើញវងទឹកប៊ីកហមគឺជួនមកទឹកប៊ីកហមនឹងទៅឲ្យឃុំ ឲ្យគុំដឹងថាថ្ងៃអាងនេះគេឲ្យកងតបស្រុកទៅយកមិត្តកដែលវងទឹកពីកហមហ្នឹងឯងអាហ្នឹងកងតបស្រុកគេណាស់ដល់យកទេប៉ុន្តែឃុំរាយការណ៍រាយការណ៍មកឲ្យស្រុកស្រុកឲ្យកងតបស្រុកទៅដើរចាប់ចាប់អត់មានបញ្ជូនទៅណាទៀតទេដៅព្រៃហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងឬក៏អត់មានរហូតខុសរហូតទៅរហូតយុទ្ធធរទេ
Très bien. Il y a une légère contradiction que je voudrais éclaircir avec vous. Dans votre dernier procès verbal d'audition, E319-8.2.4, ce sont les réponses 23 et 24. Que je vais lire. Vous avez donné. Vous avez dit ceci en anglais. Enfin, vous avez dit ceci en khmer, mais je le traduis en anglais. All work plans were decided at the provincial sector levels. Then the provincial sector sent the plans to districts, and the districts relayed the plans to communes. Question 24. Can you explain to us whether orders related to arrests or decision to kill came from the province or sector? And you said, answer 24, yes, that's right. For instance, the province sent reports with the names of the people to be arrested, annotated in red ink, to districts. Then the districts would send the reports to the communes. Then the communes would arrest the people whose names were annotated in red ink. Finally, the arrestees would be sent to Yekom. End of quote. Donc ici, dans votre procès-verbal d'audition, vous avez rajouté un niveau de plus. Vous avez dit que c'était le secteur qui en fait décidait. Est-ce que finalement c'était le secteur ou le district qui prenait ces décisions et qui entourait les noms au stylo rouge? มนุษย์นั้นโจลกาเซไปหรือโจลเซอีอาคุมตามนานเคยให้เกิดได้ชมกอนั้นวงจอตึกบิ๊กมาออยสรอกให้ดอลสรอกตัวตัวงตึกบิ๊กก็หอมนั้นให้สรอกญาลางต่อออยแคดดอลญาต่อออยแคดมันอยู่ประมาณเกิดญาอาชมกอนั้นวงตึกบิ๊กก็หอมนั้นมาออยสรอกไว้เนี่ยดอลมาออยสรอกสรอกเมียนวิธีนกาออยกองตอบสรอกเกิดต่อจับไป Très bien. Savez-vous dans quelle forêt les gens étaient exécutés? Est-ce qu'il y avait une forêt particulière? គេសម្រាប់ប្រជាជននៅព្រៃណាតើមានទីកន្លែងជាក់លាក់ណាមួយទេបាទខ្ញុំជម្រាបភាសាកន្លែងដែលគេបញ្ជូនទៅផ្ទះអង្គការខុមហ្នឹងគឺនៅចម្ងាយ 200 ផ្លូវខាងកើតគឺជំរុកខាងចានហើយសត្វតពូបកបផ្ទះសំបែកស្រែកាមជាជនខាងនេះគឺភ័យឡងភ័យឡងហ្នឹងមុនដំបូងគេយកកូនក្មេងដកកើតអត់គេជិលយកតកប់នៅភ័យភ័យខ្មោចញ៉ាំដល់ហើយគេឲ្យឈ្មោះភ័យខ្មោចកូនក្មេងដល់ឈ្មោះភ័យខ្មោចកូនក្មេងអញ្ចឹងណែគេចាប់ពួកនានាការយោបាយស្វែងក៏ហោមហ្នឹងយកទៅសម្លាប់ភ័យខ្មោចកូនក្មេងហ្នឹងសម្លាប់ມັນទឹកគាត់យកទៅ Bien, est-ce que vous pourriez me dire si vous en avez connaissance? Si ces gens-là, les opposants dits politiques, étaient interrogés avant d'être exécutés. ក៏ចាប់ហើយចាប់ហើយតោះហើយ
Vous avez dit devant les juges d'instruction que les rapports ou les listes où les noms étaient entourés en bleu et en rouge, vous en avez vu. C'est à la réponse 26 de votre procès-verbal d'audition E319. /8.2.4 et vous avez dit que vous aviez vu, en tout cas vous saviez que ces rapports avaient été faits par le secteur et vous en avez trouvé apparemment dans un panier dans le bureau du district, dans le bureau du commerce du district à Tramcourt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances exactement vous avez vu ces listes avec les noms entourés en rouge ou en bleu? Très bien, vous avez cité un certain nombre de chefs du district 105, vous avez parlé de Com, dans vos éditions aussi, vous avez parlé de Tachim, de Takit, de Tachai, et enfin de Tassan, que vous avez souvent appelé l'instituteur Ouch. Lorsque les chefs successifs du district 105 adressaient des instructions aux communes, est-ce que les chefs de communes avaient le droit de ne pas obéir et de ne pas appliquer les instructions? Est-ce qu'il en était de même entre le secteur et le district? Est-ce que le district devait obéir aux instructions, aux politiques qui lui étaient transmises par le secteur 13? Est-ce que vous avez eu l'occasion, peut-être, d'assister à des réunions au niveau du district ou du secteur ou à des assemblées générales? Est-ce que cela vous est-il arrivé? On a parlé des infractions graves ou des infractions mineures. Comment
le district ou le chef de commune était-il capable de déterminer qu'un comportement ou une infraction était grave ou sérieux ou bien était léger? Est-ce que vous savez quels étaient les critères pour savoir si c'était léger ou si c'était grave? Clang goo Cassay bay, nung say ee ah, and don't not want to chop on me and sit. Sure, can I enter a turkey call out eh? Chop the mong to paddy. On men and black be cat on black be nari, so chop die gone and mong. Est-ce que refuser de travailler était considéré comme une infraction mineure ou une infraction grave? Et combien de fois fallait-il refuser de travailler pour que ce soit considéré comme grave? Thơ sập và cam của cả người xa đúng nó hạ co với ở tổ chốt ở tổ rê đây của xa cứ ở vô tù bê ấy tê kì thà à cho mưu khôn sai à năng kì thà kì liếp bó thà à mà nước chil à mà nước chil người hào thà mà nước cho mưu khôn sai ở miền bên mò nà mơ đêm miền vô tù bờ kì dây thành phần năng. Est-ce que les gens qui étaient paresseux ou qui étaient accusés de faire semblant d'être malades étaient privés de nourriture parfois? Oui, pas de problème. Je faisais référence aux personnes qui n'accomplissaient pas leur travail, qui étaient accusées d'être paresseux, ou alors ceux qui disaient, qui étaient accusés de faire semblant d'être malade pour ne pas travailler. Est-ce que ces gens-là étaient parfois privés de nourriture? Cho chạp anh chẳng phải quý chẳng hãy chẳng tha luôn đã cả nghĩa ở kia hay ở tổ thơ nó đến ế bố thà là bản năng kì dùng sọc bọc luôn bạp bằng ôn kì s'agissant du peuple ordinaire. Si je comprends bien, ils n'osaient pas vraiment dire qu'ils étaient malades. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre? Xong bài vô ôi gọt hộp gọt mò mình đòi. Chẳng kia ôi bò bò mà chan. Vô mà ôi mày hộp nộp đá đâu. Kì thà chư mến kì tuôn có chư. Ở đây thà chư phút chư lọt thơ ca nó tê.
D'accord. Je vais citer encore un passage du procès-verbal d'audition de Kum Bun, E319-12.3.2. C'est la réponse 148. Et Ye Bun fait une distinction entre deux situations de vol de nourriture. Voilà ce qu'elle dit en anglais. Answer 148. Theft due to hunger was a minor crime. Secondly, frequent theft, which was more serious, was reported to me by the lower level. For the second point, the perpetrators would be arrested, and some of them were seen returning, while others were never seen again. End of quote. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ye Bun lorsqu'elle dit que voler une fois parce qu'on avait faim, c'était une infraction légère, mais que voler de manière fréquente devenait une infraction sérieuse ou grave? ตุลุยอันน่ะดำลงมีเกดำลุยดดซีนกานั้นลุยตามจัดก็อดหมอดอดถ่ายเด้อគ្នាเองอ่ะគ្នាมูลฐานตกซีตกใจโยมมาซีตานั้นก็គេอดรอเรื่องได้อดได้มีตุ๊ไปไอ้ฮ้อนั้นគេอดได้ถ้าตุ๊เจ๊ตุ๊จ้อยเคยแต่ตะโยมมาซีก็ว่าគ្នាดำลงรวม Monsieur le Président, si vous voulez faire la pause, je crois que c'est un bon moment. លោកប្រធានខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាដល់ពេលវេលាល្អហើយប្រសិនបើយើងអាចជប់សម្រាកតែលោកប្រធានថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាកហើយអំពីប្រកាសសម្រាកចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្រាកសម្រាកការលោកអៃហ៊ឿននៅពេលដែលម៉ោង 3 លោកមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សហកម្មដើម្បីបន្តការផ្ដល់សហកម្មតទៅទៀតណាលោកអៃហ៊ឿនបាទបាទសម្រាកចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ